Saveur anglophone. Vos titres anglais traduits en français. Allez, aujourd'hui, je vous emmène au match, et pas du côté tribune, mais bien sur le terrain avec Mandissa Overcomer. Tu es un vainqueur, c'est ce que disent les paroles du morceau extrait de l'album à succès Overcomer sorti en 2013. Dans cet album et particulièrement dans ce titre, Mandissa veut nous encourager à ne pas baisser les bras, peu importe les luttes et les combats que nous pouvons traverser. Que vous luttiez avec une addiction, une maladie, des problèmes financiers, le découragement, la peur, bref, vous êtes des vainqueurs. C'est le message que nous transmet Mandissa ici, et attention, hein, c'est pas du blabla, elle raconte même dans une interview avoir lutté contre des problèmes de surpoids, mais ne s'est pas découragée et a commencé à combattre. En fait, finalement, l'essentiel, c'est de ne pas rester du côté tribune. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Début du match. Staring at a stop sign, watching people drive by, T-Mac on the radio. Arrêté au stop, regardant les gens conduire avec T-Mac à la radio. Là, je pense qu'on peut y voir un petit clin d'œil à son producteur et également artiste Toby Mac. D'ailleurs, si vous écoutez bien, on l'entend même dire quelque chose en voix off. Serait-ce un petit message subliminal pour qu'on achète son prochain album? Bref, restons sérieux. On va pas se déconcentrer alors que le match vient de commencer. Allez, on y retourne. Beaucoup de choses dans ma tête, ça ne va pas vraiment bien, je cherche un rayon d'espoir. Ensuite arrive le pré-refrain. Peu importe ce que vous traversez, je sais qu'il ne le laissera pas avoir le dessus sur vous. Et peut-être que justement, au moment où vous écoutez cette rubrique, vous êtes sur le point de tout abandonner, vous êtes au fond du trou, vous dites stop, là c'en est trop. Eh bien, le refrain est là pour vous. Tu es un vainqueur, reste dans le combat jusqu'à la fin, tu ne vas pas tomber parce que Dieu te tient maintenant. Il se pourrait que tu sois à terre pour un moment en pensant qu'il n'y a pas d'espoir, mais c'est là que Dieu te rappelle que tu es un vainqueur. Le deuxième couplet met tout le monde au même niveau, comme ça, voilà, pas de jaloux, en nous disant qu'on a tous été à terre un jour ou l'autre, mais que tu n'es pas seul, prends courage, appuie-toi sur sa promesse, il veut que tu saches que tu es un vainqueur. Alors vous vous dites peut-être, oui, bon, c'est un petit peu simpliste quand même, on n'est pas non plus dans le monde des bisounours. Eh bien non, c'est biblique d'avoir une mentalité de vainqueur. Il a une belle tête de vainqueur. Mandissa nous l'explique dans une autre interview en citant des passages de l'apôtre Jean où Jésus dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde » dans Jean 16, 33. Et un peu plus loin, dans 1 Jean 4, il nous dit que nous avons Dieu en nous. Donc si Dieu, qui a créé toute la terre, les oiseaux, les animaux et l'être humain, habite en nous, alors aucun problème n'est insurmontable. Nous sommes déjà des vainqueurs si nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, nous dit la Bible. Et Mandissa termine son interview en disant « Tu ne vas pas devenir un vainqueur, tu es un vainqueur. » Le même homme, le grand je suis, celui qui a vaincu la mort, vit en toi. Alors tiens-toi droit, fixe tes yeux sur celui qui tient ta vie. Il te dit qu'il n'y a rien qu'il ne puisse réaliser. Respire un bon coup et accroche-toi à ses promesses. N'abandonne pas, tu es un vainqueur. Ben voilà, un beau message encourageant. J'espère que ça a pu vous booster. Et pour conclure, maintenant qu'on a explosé le score, si avec Jésus finalement tout est possible, alors comme on dit, on va pas changer une équipe qui gagne. Don't quit.